Je suis Mahmoud Dramé. Je suis Mahmoud Dramé, docteur en linguistique. Mahmoud Dramé, docteur en linguistique. Beaucoup de choses, surtout sur le plan de l'enseignement, où les enseignants peuvent en profiter pour faire leurs cours, les distribuer, et les chercheurs aussi peuvent en profiter pour la publication de l'ensemble de leurs travaux et leur diffusion également. Ben, cet aspect-là, je dirais, c'est le libre accès, où tout le monde aura la possibilité de consulter les ouvrages, articles, autres publications, en tout cas des chercheurs et des enseignants-chercheurs, et même des contributions de la part des étudiants. L'aspect qui me paraît le plus difficile, va porter sur la fracture numérique que nous sommes en train de vivre ici en Afrique, où tout le monde n'est pas en mesure d'être tout de suite accès, d'avoir tout de suite accès à l'Internet, aux machines, à la connexion. On a vraiment du mal à toujours se connecter et à accéder à pas mal de savoirs du monde. Voilà, ça c'est un problème pour la science ouverte déjà. J'aurais souhaité d'autres formations de cette nature pour avoir non seulement d'autres types de formations, mais nous perfectionner également sur ce qui est déjà vu, mais également que nous qui sommes déjà formés, que nous constituons des relais pour d'autres formations qui seront faites à notre niveau. Ça sera une chose pour que cela ait d'autres publics, quoi. Oui, forcément, d'autant plus que tout développement dépendra des savoirs et de la transmission de ces savoirs-là. Et cette science ouverte-là permettra de diffuser très largement tous les savoirs que nous produisons, et ça aura un impact positif sur le développement et sur le vécu quotidien des hommes, de l'être humain en général.